Et salut à tous, c'est 380083 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel comment installer Minecraft 3. Alors déjà il faut savoir que ce que vous voyez à l'écran a été rec en avance et donc j'ai fait un son par du son par-dessus. Donc déjà normalement dans la description de la vidéo vous aurez un lien vers le launcher, que serait facile d'utilisation. Donc voilà, mais ça c'est si le launcher ne marche pas. Normalement si Minecraft ne se lance pas et qu'il se bloque pendant le lancement, je vous conseille donc d'aller télécharger l'archive RAR qui est dans la description. Donc, vous suivez ce que je fais là, normalement, et vous aurez tout. Également, j'utilise MultiMC comme launcher. Donc, je vous conseille également d'utiliser MultiMC dans ces cas-là. Donc, MultiMC, je vous mettrai également le lien dans la description. Donc, vous installez, vous mettez votre compte Minecraft de base dans Gérer les comptes, qui est en haut à droite, dans le JPFiler, Gérer les comptes. Vous installez Forge. Non, je vais vous montrer après, donc vous créez une instance. Ouais, je vous montrerai de toute façon. Ça sera tout dans la vidéo. Donc, démarrons la vidéo. Voilà, donc. Voilà. Donc, vous devez extraire les fichiers, déjà. Donc, j'extrais tout. Vous avez donc trois fichiers. Ressources, mode et config. Maintenant, je lance MultiMC. Voilà, il y a une version d'update, mais je ne l'update pas. Voilà. Donc, MultiMC. J'ai déjà beaucoup d'instances, ne faites pas attention à ça. J'ai une instance Minecraft, oui. Donc, je vais. Ah, donc, déjà, on choisit la version en 1.7.10. C'est important. On prend la 1.7.10. Vous mettez le nom que vous voulez. Je mets Minecraft install, moi. Voilà, Minecraft 3 install. Je change également l'icône. J'ai mis une face. Voilà. Bon, c'est bon, on mettait OK. Ça se fait, ça peut prendre parfois un peu plus de temps. Modifiez l'instance. Puis vous allez dans l'installation de Forge. Il y a eu un petit bug là, ça a pris du temps. Ça peut vous prendre du temps parfois. Donc faut attendre. Donc ouais, on attend. Ouais, donc ça peut prendre souvent du temps. Ça prend souvent du temps d'ailleurs. Donc voilà, parfait, voilà, ça charge. Juste pris du temps, à mon avis, à cause de mon réseau. Donc, vous prenez la version qui est vraiment de base sélectionnée. Installez Forge, c'est bon. Mode, plus vous êtes. Donc, vous faites ouvrir le dossier là. Vous retournez dans Minecraft. Voilà, vous avez tout ça. Vous copiez vos trois fichiers et vous les mettez là-dedans. Voilà, c'est fait le transfert. Le transfert, vous retournez dans MultiMC avec un petit. Ça peut faire un petit lag, oui. Normalement, ça rajoute les modes ici. Voilà, vous voyez déjà, j'ai mon compte installé, tout ça. Je lance. Là, vous voyez la console Minecraft ici. Génial. Vous voyez que j'ai pas mon Java. J'ai pas Java 8. Donc, ouais, ça se lance. Normalement, Minecraft va se lancer, sous peu. Voilà. Minecraft se lance. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, habituellement c'est assez rapide. Et habituellement ça va se bloquer à 5 sur 7 sans le launcher. Non, avec le launcher je veux dire parfois. Mais moi c'est d'ailleurs où je fais cette vidéo, c'est le cas. Donc ouais. Voilà. Donc si jamais... Voilà. Tout charge. Vraiment. Voilà. Donc, on attend un peu que ça se charge tout ça. Que ça fasse tout, quoi. Voilà, ça doit charger toutes les textures. Voilà, normalement, vous allez arriver sur un fond d'écran, ça peut être un peu différent. Ça peut être celui-là. Donc, vous, voilà, j'avais config rapidement. Donc, config, c'est option en fait. Voilà, j'ai la musique qui avait commencé à jouer. Voilà, je configure un peu tout. Vous allez également voir après à quoi ça ressemble les contrôles. Il y en a beaucoup. Si jamais, je vous conseille juste de suivre ce que j'ai fait.
au niveau de mes contrôles. Pas forcément au niveau de chaque contrôle à part un. Mais en général, pour les contrôles des modes. Voilà. Ma sensibilité. Voilà. Vous mettez l'énergie en non, Dark Sailor mort en non. Là, bon, voilà. On attend un peu. Okay. Et voilà. Bon, je mets contrôle vite fait. Il y a pas mal de contrôle, oui. Mais c'est pas énormément modé en fait. Je mets la plupart des trucs en non habituellement. Par contre, je sais que je vais l'utiliser. Je veux des contrôles habituels, hein, c'est pas des contrôles random. Voilà, dan, dan. Et après, vous cliquez sur le bouton Join Mothercraft. Ça vous met l'écran d'entrée dans le jeu. Voilà, attendez un peu. Et voilà. Vous êtes sur le serveur. Ça lag un tout petit peu, mais voilà. Et si jamais, hein, je vais être déjà connecté. Donc voilà.